là il fait timide. Et lui c'est un des plus vrais chats qu'il y a dans l'équipe. Et là-bas il y a les deux terrains et c'est là-bas qu'on chante. Le fait qu'on soit à plusieurs dans le même club et aussi dans des clubs alentours, bah, comme Jay et Kevin à Saint-Denis, ça nous permet voilà, de conserver un peu le truc et de se dire ah, bientôt il y a le set et il y aura l'ambiance qui va avec. J'ai joué au Brian l'année dernière. C'était marrant. Tout le monde est à l'affût, tu vois, de la connerie que l'autre va faire. Il t'a mis accroché, t'es tombé. Non, vas-y, c'est ça. Il y a la vidéo, Kevin, arrête, tu veux. Non, t'es malhonnête. Non. Je l'ai plaqué haut et comme c'était Brian, Bruce, j'avais peur. On va demander à Bruce. Ouais, bah ouais, mais lui il est mauvais, tu vois. Ouais, mais il est pas. Il est honnête, il va dire ouais. Il y a la vidéo. Désolé, c'est vrai, mais moi personnellement, je m'en rappelle pas. Ami, il doit être à côté. Non, moi, Kevin, c'est mon gars, laisse ça. Moi, j'ai pas de nom. Moi, je laisse les. Non, mais y a pas de méchanceté en vrai. Moi, je laisse les boutons. Non, si, en vérité, il s'est fait salir un peu. Je crois que Kevin, c'est un bon défenseur, mais il faut savoir que Brice, il a un petit step. Un seul et unique, et il a mangé. Hein. Premier tournoi que j'ai pu faire avec eux au Hinton, premier gros tournoi, grosse équipe, belle ambiance. Et bah c'est ça qui m'a fait, dans un premier temps, kiffer le set. Du coup, ça donne envie de jouer avec eux. Quoi. La première compétition que j'ai fait avec eux, c'était le Boxing Day en décembre. Ça reste un bon souvenir parce que c'est une découverte pour moi le set cette année. Une super ambiance, des gars qui viennent d'un peu partout. Donc pour le coup, ça change un peu de ce qu'on a tout au long de l'année à 15.